le boulanger-pâtissier confectionne du pain, des viennoiseries et autres desserts. Il est minutieux dans son travail, rigoureux et précis dans ses gestes. Il travaille avec beaucoup d'attention et de rigueur et a une certaine résistance physique. Le boulanger-pâtissier sait également reconnaître des matières premières de qualité pour ensuite les travailler. Le métier de boulanger-pâtissier, c'est bien évidemment de faire de la boulangerie et de la pâtisserie, puisque on forme en boulangerie et en pâtisserie, les deux ensemble. Donc l'idée, c'est de pouvoir arriver à fabriquer des produits de style pain, baguette, pistolet, viennoiserie, croissant. Donc la variété est très large. La pâtisserie, ce sera plutôt des gâteaux, petits, grands, pour des festivités, des communions. On peut trouver tout ce qui est petit, on pense à la biscuiterie, donc des macarons, des biscuits fins, des biscuits fourrés. La pâtisserie, c'est également la pâtisserie traditionnelle, les éclairs, les gâteaux, petits gâteaux crème fraîche, mocha. On va vers quelque chose de plus évolué, style bavarois, moulé, avec des crèmes spéciales, des produits locaux, des produits artisanaux aussi. On essaye de développer cette gamme-là qui est importante pour les clients. Et la qualité principale, c'est l'organisation. Qualité qui n'est pas forcément innée, pouvoir organiser son travail dans le temps, dans l'hygiène, dans le respect de l'hygiène et de la sécurité, c'est très important. Une certaine adaptation au fait de travailler parfois de nuit, puisque les boulangers travaillent encore la nuit, mais pas toujours, puisque le métier évolue. Être formé en boulangerie-pâtisserie, c'est pouvoir travailler en autonomie, pouvoir travailler seul, pouvoir s'adapter, pouvoir aussi innover, penser à des nouveaux produits, mais aussi travailler en équipe, puisque le travail de boulanger-pâtissier, c'est souvent en équipe, dans petite ou grande, mais donc pouvoir s'adapter, travailler ensemble, être à l'écoute, c'est quelque chose de très important. On n'a pas de limite. La seule limite, c'est de pouvoir vendre quelque chose de bon, de sain et qui plaise aux clients. Donc c'est ça qui est, je pense, très intéressant dans le métier. Le fait de pouvoir transformer ces produits et de les retrouver dans les maisons des gens, de pouvoir partager notre passion et de pouvoir faire goûter ce qu'on peut faire en atelier. Il faut être motivé, comme partout. Le travail en équipe, on est tous ensemble et c'est agréable de travailler avec beaucoup de monde. Le boulanger-pâtissier aime donc travailler les produits traditionnels, mais aussi en créer de nouveaux. Autonome ou en équipe, il veille également à la présentation de ses fabrications.